Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 2 décembre 2021, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé. Elle a secoué cette maison, la maison s'est écroulée et son écoulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, l'évangile de ce jour nous rappelle, je crois, un élément essentiel de notre vie chrétienne. Il s'agit du vécu de la vraie religion. À mon avis, la vraie religion ne consiste pas à dire sur les lèvres que j'ai prêché en ton nom Seigneur, j'ai fait des guérisons, j'ai enseigné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce n'est pas la parole qui compte, ce n'est pas le dire, mais le faire. La vraie religion consiste plutôt à accomplir la volonté de Dieu et la volonté de mon Père, dit Jésus. C'est que vous gardiez mes commandements. Les commandements, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, c'est de faire exactement ce que le Seigneur demande de nous et non de dire ce que nous faisons. Alors, Jésus donne deux exemples ici dans l'Évangile et je crois que c'est bon de s'appuyer sur ces exemples. Il dit celui qui fait la volonté du Père bâti sur le roc. Et je crois que nous sommes appelés à bâtir sur Jésus, qui a été l'amour parfait, le visage exact du Père. Alors nous sommes invités à le faire, sinon on risque de bâtir sur le sable et si la pluie tombe, si les torrents ont dévalé, la tempête souffle, cette maison, ou bien nous n'aurons pas de fondation et la maison sera écroulée. Donc il est important de bâtir sur Jésus, sur la foi au Christ ressuscité. Que cette parole de ce jour affermisse notre foi et que nous puissions toujours compter sur notre Dieu, bâtir sur lui notre vie pour avoir part à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.